Il y avait des trains qui arrivaient de Quimper, de Rennes, de La Rochelle. Et tu avais des wagons après qui repartaient sur Saint-Pierre-des-Corps, sur Le Mans. Eh bien, les trains arrivent et puis après, les wagons sont redispatchés en fonction des autres destinations, quoi. Donc, la gare de triage, ça porte bien son nom, c'était pour trier les wagons qui arrivaient d'autres destinations, quoi. Le système de la butte à la gare du triage est quand même particulier, hein. Tous les wagons sont détachés les uns des autres. Il y a une locomotive qui est en pousse, qui ne les tire pas, qui les pousse. Et les wagons sont donc indépendants les uns des autres. Et lorsqu'ils arrivent en sommet de cette butte, on appelait ça la butte, hein, lorsqu'ils arrivent en sommet de la butte, ben, ils, par leur propre gravité, ils descendent. Donc la pousse ne devait pas être trop rapide, parce qu'il ne fallait pas que les wagons se rattrapent entre eux, quoi. Et il fallait que l'aiguilleur ait le temps de faire les aiguilles entre deux descentes de wagons. Ouais, c'était un sacré boulot, c'est vachement archaïque. Mais en même temps, c'était technique, hein, il fallait de l'expérience, hein, pour ne pas. Parce que des fois, ça déraillait, quoi. Quand deux wagons arrivaient trop vite, l'aiguille se faisait sous le wagon, bah, il finissait sa course sur l'aiguillage. Mais ouais, c'était du boulot. Hein. Et c'était pas toujours évident. Des fois, ça cognait dur, on entendait, hein, cogner. Des fois, bon, on dit, oh là, putain, celui-là, il a cogné dur. Mais tout était manuel et puis un peu au pif, quoi. Hein. Il n'y a que l'expérience qui faisait le bon boulot, quoi. Mais. Il y avait donc l'aiguilleur qui orientait les voies, il y avait le gueuleur qui annonçait la descente des wagons, et il y avait des gars qui étaient sur le bord des voies, qui après ce système de freinage qui faisait donc du bruit, eux finissaient l'arrêt du wagon en mettant une cale sur le rail, la roue montait sur cette cale en question, et ça la bloquait, et l'essieu ne tournant plus, il traînait sur le rail, et ça finissait de freiner le wagon. Mais il pouvait pas l'arrêter complètement, donc il finissait en cognant dans le wagon qui le précédait, qui était déjà arrêté sur la voie, quoi. Des fois, ça cognait dur, hein. Il y avait de la casse, hein, des fois dans les wagons, mais c'était pas évident, quoi. Et ces gars-là, ils travaillaient bah, en 3-8, été, hiver, bien sûr, dans le brouillard et tout. Des fois, ils voyaient à peine le wagon arriver sur eux quand il y avait du brouillard intense, là, parce qu'on est quand même sur le bord de la Loire. Là, il y avait l'hiver, il y a du brouillard intense et c'était dangereux, hein, comme boulot, ça. Et puis bah, il y avait de l'activité. Hein. Bah, moi je me souviens, gare de triage, la paye était en liquide, encore à l'époque même les cheminots. Et je me souviens être allé en vélo une fois avec Denis, mon frère, par le pont des Américains, voir papa, et puis chercher sa paye, puis revenir à la maison avec la paye dans la poche. Quoi. Et puis papa il partait bosser, mais c'était un jour qu'il partait bosser, il ne devait plus y avoir beaucoup de sous à la maison, il fallait ramener l'argent. Mais on revenait avec l'argent dans la poche, en vélo sur la route. On était serein, tranquille. Ah ouais. Il y a eu jusqu'à 400 conducteurs-chauffeurs hein, à une période, là, quand papa y était, ils étaient plus de 400. Hein. C'était important, le dépôt de Nantes. Hein. Ouais. Bon, je dirais bien qu'il y avait plus de 1000 personnes hein, entre l'atelier, la conduite et puis le triage. Hein. Parce qu'au triage, ils étaient nombreux et c'était en 3-8, hein, donc ça faisait du monde hein, quand même. Hein. Il y a, je ne sais plus combien il y avait de voies, il y avait 50, de mémoire, je dirais qu'il y avait une cinquantaine de voies au Bleutrot. Et au plus fort du trafic, sur toutes les voies, moi j'ai souvenir avoir vu le triage complet. Donc sur les 52 voies, il y avait entre 30 et 50 wagons par voie, qui constituaient un train qui partait sur des destinations différentes. Ah oui, hein. Mais ça tournait hein, le triage, hein. C'était important. Mais à l'époque, c'était le chemin de fer qui transportait tout. Hein. Mais voilà, le monde change. Pour les Américains, c'était impressionnant parce qu'on était petits. Hein. À nos yeux de 10 ans, le parapet, déjà, fallait sauter pour pouvoir par-dessus. Parce que le parapet était haut. Et puis, il était large. Il nous paraissait large et long. C'est un ouvrage d'art important à nos yeux d'enfants. Et puis, le fait, sans doute, aussi qu'on l'appelait le pont des Américains. Pour nous, bah, les Américains, quand tu as 10 ans et que c'était après la guerre, enfin, nous, on avait 10 ans dans les années 60, quoi. Hein. Donc, il y avait encore beaucoup d'anciens qui parlaient de la guerre et tout ça. Donc, nous, les Américains, bon, on imaginait, je sais pourquoi d'ailleurs, je ne me souviens plus trop à l'époque, mais ça nous impressionnait. Le pont des Américains, c'était pas de la bricole, quoi. Ah ouais. Les copains, on y allait en vélo. Et puis on s'arrêtait parce que c'était marrant de voir l'activité, les trains, les wagons. Des fois ils se cognaient entre eux, ça nous amusait d'entendre voir les wagons se cogner les uns contre les autres.
Et puis les vapeurs, quand elles passaient, bah, elles nous crachaient les nuages de fumée de charbon au-dessus, on était là-dedans, nous, alors, il fallait se ranger. Aujourd'hui, on dit aux enfants de se ranger, mais nous, on était tout contents de respirer ça, là, c'était marrant. Et puis c'était amusant de voir l'activité, quoi. Bah si, c'était un amusement pour nous.